avantage, comme on l'a dit donc, aux Sedanais qui mènent donc un but à zéro. On va voir si les choses vont évoluer au cours de la seconde période. Bon, on fait confiance même sur la plateforme FFF TV. Alors que là, ça se chamaille. Il y aura un carton pour Raphaël Calvé. C'est le deuxième, c'est rouge. C'est carton rouge pour Raphaël Calvé. Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est peut-être un tournant du match là. Ah, il se prend la tête à deux mains, Raphaël Calvé. Côté Annecy, c'est ce corner qui va tirer encore une fois le premier poteau. Le petit gafouillage. Oh, le ballon à la barre. Et le sauvetage presque sur la ligne. C'est pas terminé. Deuxième chance. Oh, la tête défensive, c'est pas encore terminé la remise. Oh là 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 là. Et ils vont s'en sortir les Sedanais avec un coup franc. Mais que ça aurait été chaud. La suspension, l'expulsion de Calvé tout à l'heure, disons que c'est remise de la tête. Et cette frappe, l'arrêt de Geoffrey Lambé. Ce match contre un promu, le seul promu, on le rappelle, de cette saison, bah, ça fait office hein, quand même de match important pour cette lutte pour le maintien. Deux adversaires directs, alors même si c'est la première journée, ça aura 3 points quand même. Hein, ce qu'on est en train de voir et de vivre. L'arrêt de Geoffrey Lambé sur cette frappe. Par contre, ça court, ça manque peut-être un petit peu d'explosivité. Puis la passe décisive. Peut-être là que ce centre comme la reprise. Oh, le poteau est derrière. L'égalisation. L'égalisation d'Annecy. Et l'égalisation dans les 10 dernières minutes. Épinal, Sedan, c'est que quelques heures de route. Le connard qui va tirer. Et la bonne sortie de Geoffrey Lambé, ça va rassurer sa défense. Nouvelle chance, on est à quoi, 3 minutes là, de temps additionnel, ça doit être sans doute la dernière. Cachy la frappe lointaine, ouais, c'est pour Lambé.